Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois d'octobre, que vous êtes prêts pour entamer le mois de novembre de belle façon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2019 pour les signes d'eau. Alors pour les cancers, scorpions et poissons, bienvenue à vous tous. Bienvenue aussi à tous les autres signes. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez actuellement. Alors, c'est important d'aller voir les autres catégories de signes concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour un complément d'information. Et je vous rappelle aussi avec mon petit symbole, la clé de la destinée, tout simplement pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie. Que peu importe ce qui est décrit ici, il n'y a rien qui est coulé dans le béton et que vous avez la possibilité de changer le courant des choses hein, si une situation ou une autre ne vous plaît pas. Alors, c'est à vous que revient la clé de votre destinée, hein, votre pouvoir personnel. Alors voilà, on va commencer d'abord avec le tronc commun pour vous, les chers signes d'eau, et on va éclairer davantage avec d'autres cartes un peu plus tard. Donc, dans le domaine professionnel, alors pour le mois de novembre, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez être des guides, en fait. Vous allez être des personnes de bons conseils. Les gens vont venir vous voir pour avoir de vos conseils concernant plein de choses, hein, mais ce sera surtout au niveau... c'est-à-dire qu'on va venir chercher votre expertise hein, au niveau professionnel. Donc, on est toujours dans le domaine professionnel. Vous allez être un guide, vous allez être de bons conseils... vous allez peut-être rectifier certaines choses aussi pour certaines personnes. Et on voit que ces gens-là sont des gens qui ont besoin peut-être de nouveautés dans leur vie, ont besoin peut-être de changements, de changer des choses dans leur vie. Mais en tout cas, ces gens-là ont besoin de prendre conscience de certaines choses. Hein. On a le jugement ici avec le pape. Alors, certaines personnes se sentiront peut-être mis au pied du mur ou bien à la croisée des chemins. Il y a des changements qui doivent être apportés. Il y a un éveil ou un réveil qui doit être fait. Alors ici, je pense peut-être que vous êtes soit thérapeute, orientateur, professeur de yoga, par exemple, hein, vous avez une spécialité, médecin, vous avez une spécialité et les gens vous font confiance et les gens vont se fier à ce que vous avez à leur dire pour rectifier certaines choses dans leur vie, pour prendre conscience de certaines choses et pour pouvoir passer à l'action, suivre vos conseils, en fait, pour que les choses aillent mieux dans leur vie. Alors, vous allez être quelqu'un de bon conseil ici. On va éclairer un petit peu plus tard ces cartes-là également. Maintenant, dans le domaine relationnel, alors ici, c'est clair pour moi que dans le domaine relationnel, vous avez besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de vous faire entendre, de vous faire comprendre et de montrer vos vraies couleurs, en fait. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez revenir sur des choses du passé. Vous avez besoin de revenir sur des choses du passé, peut-être que par nostalgie, mais peut-être aussi pour simplement venir régler des choses qui n'ont jamais été réglées, des choses qui vous ont blessé peut-être par le passé, mais pour lesquelles vous n'avez jamais rien dit, vous n'avez jamais exprimé hein, vos sentiments, votre colère, par exemple, ou bien votre déception. Vous avez besoin de revenir sur certaines choses du passé, soit pour les comprendre, soit pour les régler, mais surtout pour passer à autre chose, hein, pour vous détacher justement de ce passé qui vous empêche d'avancer maintenant.
Vous avez, maintenant que vous avez pris un certain moment de recul, un certain temps de recul, que vous avez pu digérer la situation, vous êtes capable maintenant de le voir sous un nouvel angle, de voir cette situation-là sous un nouvel angle et d'apporter un regard neuf sur la situation. D'accord? Vous commencez déjà probablement à vous détacher de la situation, mais vous avez encore besoin de régler certaines choses pour être capable de passer à autre chose. On a également l'arcane sans nom qui se présente, hein? Alors, c'est vraiment le besoin de faire du ménage dans votre tête, dans votre cœur, dans votre vie, d'éliminer de votre vie tout ce qui peut vous perturber ou tout ce qui peut vous empêcher d'évoluer, de grandir ou de continuer votre route. Alors, c'est pour ça le besoin de retour en arrière ici. Parfois, on a besoin de reculer un peu pour mieux prendre un élan pour avancer plus loin. Alors ici, besoin de faire du ménage, de nettoyer certaines choses. Pardon, des résidus de relations passées peuvent ici avoir besoin d'être totalement nettoyés, hein, effacés de votre tête, de votre cœur pour continuer d'avancer. Alors, l'arcane sans nom n'est pas nécessairement une mauvaise carte, mais plutôt c'est une carte positive parfois qui nous dit que on a besoin de transformer certaines choses, on a besoin de se transformer et pour ce faire, on doit faire du ménage. Et la récompense en faisant ce travail-là hein, sur soi, bien, voyez-vous la belle fleur ici, hein, une belle fleur de vie, une fleur de transformation. Alors, c'est la récompense hein, que ça vous amène, le fait de décider de faire le ménage dans votre vie, faire le ménage dans votre cœur et dans votre tête aussi. On est dans le relationnel ici, donc on peut parler de relations amoureuses passées, de relations amicales, on peut parler aussi de relations professionnelles, toute forme de relation. Au niveau familial aussi. D'accord? Alors, c'est à vous d'adapter le tirage à votre situation personnelle. Et finalement, dans le domaine spirituel, bien, on voit avec le valet d'épée hein, que vous avez une ouverture d'esprit. Ce mois-ci, au mois de novembre, vous allez probablement utiliser votre esprit critique, votre esprit vif aussi, mais vous allez avoir une ouverture d'esprit pour comprendre les choses, pour assimiler des choses au niveau spirituel qui vont vous aider à grandir. Vous êtes conscient, consciente que le fait de rester connecté, de vouloir essayer d'avancer et de rester connecté à votre spiritualité peut vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Vous êtes conscient, consciente que l'univers s'ouvre à vous, que l'univers a beaucoup à vous apporter et que si vous restez connecté avec l'univers ou avec Dieu, peu importe hein, ce que vous croyez, ce en quoi vous croyez, bien vous vous sentez soutenu, vous sentez que vous avez toutes les ressources ou que vous allez avoir toutes les ressources nécessaires à votre bon cheminement au niveau spirituel, physique et matériel aussi, pour avancer. Alors, vous faites confiance tout en gardant un esprit critique hein, au niveau spirituel, mais vous faites confiance à l'univers en sachant que, et à vos instincts également, en sachant que on prend soin de vous. D'accord? Alors, ce mois-ci, ouverture d'esprit dans le domaine spirituel. Alors voilà, on va essayer d'éclairer un petit peu tout ça davantage. Donc, on va commencer avec le domaine professionnel. Donc, je vous ai dit hein, que vous allez être probablement ce mois-ci, mois de novembre 2019, des guides, des gens sur qui on peut compter pour rectifier certaines choses, pour éveiller des gens, pour faire prendre conscience de certaines choses aux gens. Par exemple, je vous donne un exemple, si par exemple vous êtes médecin et que
Vous avez des patients qui viennent vous voir, des consultations, c'est-à-dire annuelles, par exemple, et c'est le temps pour cette personne de prendre conscience que sa santé est en train de défaillir et qu'il ou elle doit faire les efforts nécessaires pour que sa santé aille mieux. Alors, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de mettre cette personne-là au pied du mur, vous êtes obligé de lui faire prendre conscience qu'il ou elle est à la croisée des chemins, que c'est à elle de décider pour sa santé future. Alors, vous devez la guider, cette personne-là, au meilleur de vos compétences et de vos connaissances. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce qu'on vient me dire ici, ah oui. Donc, voyez-vous, c'est ça. Peut-être que vous aurez du mal, un peu, justement, à faire prendre conscience aux gens. Il y a quelque chose que vous devez défendre dans cette situation-là. Alors, je reprends mon exemple de médecine. Par exemple, vous êtes médecin et que quelqu'un vient vous voir en consultation. Vous êtes la bonne personne pour le ou la guider, mais cette personne-là a peut-être... Et peut-être dans la résistance, hein? Peut-être a de la difficulté à accepter le pronostic ou bien peu importe hein, ce que vous allez lui dire. Cette personne-là a de la difficulté à prendre conscience que il ne peut plus revenir en arrière. Hein? Il y a des efforts à faire pour régler certaines choses au niveau de sa santé, par exemple. Et vous sentez que cette personne-là est tellement dans la résistance que vous devez défendre votre opinion, vos convictions par rapport à cette personne. Et vous allez probablement utiliser, comme vous êtes des signes d'eau, hein, vous êtes des gens qui sont proches en général de leurs émotions, vous allez utiliser justement la carte de l'émotion. Probablement ici. Voyez-vous, on a le bel as de coupe. Alors, vous allez probablement utiliser la carte de l'émotion pour faire prendre conscience à cette personne-là, avec le jugement, hein, que c'est nécessaire maintenant de faire les efforts nécessaires pour que sa santé aille mieux. Alors, par exemple, vous allez lui demander s'ils sont parents ou grands-parents. Est-ce que cette personne-là veut avoir le privilège de voir grandir ses enfants ou ses petits-enfants? D'accord? C'est dans ce genre-là, c'est ce que je veux vous expliquer. C'est que vous allez utiliser la carte des émotions. Vous allez aussi utiliser l'amour, en fait, hein, l'amour de soi, vous allez travailler sur l'amour, sur l'estime de la personne, en fait, d'accord? Et le las de coupe, c'est aussi la bienveillance, en fait. Regardez cette belle image, hein, on a la coupe, on a un œil qui est du ciel, hein, un œil bienveillant, donc une forme de protection. Donc, c'est pour ça que vous allez être très, très vif à défendre votre conviction ou vos convictions par rapport à la santé de cette personne, par exemple. En tout cas, vous allez faire les choses dans la bienveillance et vous allez faire prendre conscience à la personne que la vie, c'est un cycle, hein, qu'on n'est pas toujours nécessairement en santé. Voyez-vous le cycle de la lune ici? Et que pour respecter les cycles, bien, il faut, en fait, se respecter soi-même. Vous allez utiliser la carte de l'émotion et de l'amour de soi et de l'estime de soi pour faire prendre conscience aux gens. Alors, c'est un exemple par rapport à la médecine, mais ça peut être aussi si vous êtes orienteur, par exemple, vous allez devoir orienter les gens pour une carrière. Alors, vous allez utiliser la bienveillance, l'amour et l'estime de soi aussi pour faire prendre conscience à la personne que maintenant, c'est peut-être le temps pour cette personne de penser davantage à elle et de faire des choses qu'il ou elle aime faire, de trouver un travail
qui va combler la personne. Alors, c'est plusieurs types d'exemples que je vous donne ici. Mais en tout cas, vous allez être des guides bienveillants. Et vous allez réussir ou bien vous allez vous tenter de faire prendre conscience à certaines personnes pour changer quelque chose dans leur vie, pour apporter du sang neuf, du renouveau. Un certain éveil ici est nécessaire pour ces gens-là et vous êtes la personne bien placée pour le faire. Alors voilà pour le domaine professionnel. Maintenant, dans le domaine relationnel, alors je vous ai dit, hein, dans le domaine relationnel, il y a des choses que vous voulez exprimer, vous voulez revenir sur certaines choses du passé pour vous libérer et pour faire du ménage, pour pouvoir continuer votre route. Alors, on va essayer d'aller éclairer un petit peu plus ce tirage. Alors, voilà ce qu'on me dit. C'est probablement... Oui, c'est probablement des choses au niveau amoureux d'abord, ou relationnel, mais amoureux parce qu'on a quand même l'as de coupe encore une fois qui se présente. Très belle carte ici. Alors pour moi, dans ce tirage, vous avez des choses à éclaircir, des choses du passé à éclaircir, mais au niveau amoureux. Des choses qui n'ont jamais été dites, des choses cachées. On a la grande prêtresse ici. Alors ce sont des choses qui sont enfouies au plus profond de vous. Pour lesquels vous avez eu du mal à vous exprimer. Et peut-être aussi, vous avez eu du mal à voir le ressenti de l'autre également. Alors, ici, vous êtes dans l'ouverture pour comprendre certaines choses, pour évacuer certaines choses aussi qui vous ont blessé et aussi pour comprendre l'autre. D'ailleurs, vous demandez la réciprocité à l'autre personne aussi. Vous demandez que autant qu'on vous écoute, mais vous demandez aussi qu'on vous parle et qu'on s'exprime. Qu'on exprime envers vous les déceptions, par exemple, ou bien les frustrations, ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble ou bien vous avez eu des moments d'animosité l'un envers l'autre. Alors ici, on vient vraiment faire appel encore une fois à la bienveillance, encore une fois à l'estime et à l'amour de soi. Être capable de revenir sur des choses pour pardonner et pour passer à autre chose. Alors, c'est un peu ce qu'on vient vous dire ici. Profitez de cette occasion pour vous libérer de ce qui a été enfoui en vous depuis trop longtemps et ce que vous sentez que l'autre retient également en lui ou en elle. Donc, demandez la réciprocité. Vous savez, dans chaque relation, la communication, c'est ce qu'il y a de plus important. Et la communication, ça se fait à deux. Ce n'est pas seulement une personne qui parle, mais toutes les deux peuvent parler. C'est autant d'écouter que de parler. Et la communication, passe d'abord par l'écoute. Alors, écoutez l'autre, mais assurez-vous qu'on vous écoute également. Alors, ce mois-ci en particulier, vous avez besoin de vous détacher de quelque chose qui est dans votre passé, d'une relation passée, mais pour ce faire, vous devez faire du ménage en ayant l'ouverture d'esprit de communiquer avec l'autre personne et vous dégager, exprimer vraiment ce qui est en vous. Les choses que vous avez omis de dire, par exemple. Et maintenant, dans le domaine spirituel, bien, on va essayer d'éclairer davantage. Je vous ai dit que vous avez justement une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit qui vous permet de vous connecter à Dieu, à l'univers, à ce à quoi vous croyez, aux anges, par exemple. Alors, justement, encore ici, on a le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, pour moi, c'est au niveau spirituel, j'ai l'impression que
Vous avez eu des blessures, hein, des blessures du passé, des blessures pas seulement amoureuses, hein, des blessures de toutes sortes, de toutes formes, et que aujourd'hui vous êtes arrivé à un point justement où vous vous sentez protégé, vous sentez que l'univers vous donne les clés et les ressources pour guérir de vos blessures du passé. Alors, le valet d'épée, c'est l'ouverture d'esprit vers les ressources qu'on vous donne, hein, que l'univers vous donne pour vous guérir de certaines choses du passé. Alors, vous êtes conscient, consciente que vous avez une certaine protection, vous avez des ressources. Maintenant, il ne tient qu'à vous d'aller chercher ces ressources. Vous avez la clé de la destinée ici, mais l'univers vous donne d'autres clés. Et c'est à vous, hein, de déterminer dans chacune de vos situations personnelles quelle clé que l'univers vous donne pour guérir de vos blessures. D'accord? Alors, vous êtes rendu à ce niveau maintenant au domaine spirituel, dans le domaine spirituel. J'ai pigé des cartes d'éclaircissement avec l'oracle Lumière ici pour éclairer davantage le tirage. Alors, on sent vraiment, voyez-vous, vous avez la carte de la pyramide. Alors, on sent vraiment le besoin d'élévation ou le fait que vous êtes en train justement de vous élever dans tous les domaines. Dans le domaine professionnel, on vient vers vous. On vient vous demander vos conseils. On vient vous demander des éclaircissements. On vient vous demander d'éveiller les gens ici. Alors, vous êtes arrivé à un certain niveau vous-même d'éveil et d'élévation qui vous permet d'élever les autres également, d'éveiller les autres également dans leur situation. Et dans le domaine relationnel, vous vous élevez également parce que vous êtes capable de revenir sur des choses du passé pour pouvoir vous libérer et continuer votre route. Et c'est la preuve d'une certaine maturité émotionnelle. Alors, vous êtes une période d'élévation. Et dans le domaine spirituel également, parce que vous prenez conscience, vous avez une ouverture d'esprit et vous prenez conscience que vous êtes protégé, qu'on vient vous donner des clés, des ressources pour avancer, des ressources pour avancer. Alors, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que tout aille bien dans votre vie, dans tous les domaines. Si avec le pape, hein, vous allez peut-être aller chercher une spécialisation, voyant que vous allez très bien dans le domaine professionnel, mais que vous êtes aussi quelqu'un sur qui on se fie, peut-être que vous allez décider d'aller chercher une spécialisation aussi. En tout cas, on voit que vous mettez vraiment les chances de votre côté. Toutes les chances de votre côté pour pouvoir vous élever, grandir, croître aussi dans tous les domaines de votre vie. Alors, c'est vraiment un beau tirage pour les signes d'eau ce mois-ci, le mois de novembre. Et si jamais vous sentez que c'est le contraire, bien c'est probable, les cartes ici, les énergies, c'est probablement ce à quoi vous êtes appelé à faire ce mois-ci. D'accord? Alors maintenant, pour un petit peu mieux personnaliser un peu le tirage, je vais faire la coupe et pour chacun des signes. Alors, on pourra peut-être avoir des messages supplémentaires. Donc, je vais commencer avec le cancer. Donc, pendant que je brasse les cartes, parfois il y a des cartes qui tombent, qui veulent peut-être nous donner des messages supplémentaires. Alors, pour le signe du cancer. Et message supplémentaire. Le cancer. Je pense que c'est quand. Oui, ici, il y avait beaucoup trop de cartes. Je pense que c'est quand même un tirage assez clair. Alors, d'ailleurs, voyez-vous, pour les cancers, hein, vous avez le 10 de denier qui est apparu. Alors, tout est à votre portée. Voyez-vous, on commence avec l'as ici de denier.
Vous savez que vous avez les ressources nécessaires et je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'en tenait qu'à vous d'aller chercher les ressources que vous avez à votre disposition, les clés à des solutions à vos problèmes, par exemple, hein, c'est à votre portée. Et si vous faites confiance, si vous avez assez d'ouverture d'esprit pour aller chercher tout ça, bien, ce qui risque d'arriver, c'est de vous sentir comblé dans tous les domaines. On voit vraiment que vous êtes dans un cheminement pour grandir. Alors, vous risquez de vous sentir comblé si vous continuez vos efforts et si vous continuez de faire confiance à l'univers, hein, pour que qu'il vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Vous partez d'ici pour vous rendre ici. Alors, très bien. Et je fais la coupe aussi pour les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a justement, voyez-vous, on a la lune. Et j'ai l'impression ici qu'on est en train de nous parler du domaine relationnel. Alors, encore une fois, certaines choses n'ont pas été dites, certaines choses sont restées caché. Probablement que vous aviez peur de la réaction de l'autre. Alors ici, on vient vous dire, n'ayez pas peur des ombres de la nuit, n'ayez pas peur de ce qui se cache à l'intérieur de vous, ce qui vous a blessé. Profitez-en maintenant pour vous dégager. Faites confiance à cette douce lumière en vous qui vous guide, qui guide vos paroles aussi. Encore une fois, on a l'arcane de sans nom, l'arcane sans nom ici, qui vient vous dire qu'un ménage doit être fait. Et la même chose ici sur la carte de la lune. Vous voyez cette écrevisse qui est dans l'eau. C'est un crustacé, hein, qui nettoie tous les petits déchets dans l'eau. Alors, c'est un peu ce qu'on vient vous rappeler ici. C'est nécessaire de faire cette étape, en fait, pour que les choses aillent mieux dans votre vie. Faire du ménage, nettoyer encore une fois. Ne négligez pas de dire ce qu'il y a à l'intérieur de vous, d'accord? Et provoquer des choses également. Voyez-vous ici, on a dans le dos ici le chevalier, c'est-à-dire le chevalier d'épée, pardon. Alors, c'est de provoquer certaines discussions peut-être, hein? Les épées, c'est la communication. Alors, même si ça peut paraître difficile parfois, il y a des choses, hein, on voit ici que vous avez besoin de vous exprimer. Alors, ici, provoquez certaines discussions. Vous n'êtes pas obligé d'être, comment je pourrais dire, provocateur malsain. Hein? Vous pouvez provoquer certaines discussions, mais de façon saine aussi. Et j'ai plus l'impression que ce sera de façon saine ici que vous allez faire les choses. Alors, n'ayez pas peur de dire certaines choses pour vous. Alors, voilà pour les cancers. Donc, je retire cette carte pour pouvoir maintenant faire de même pour les scorpions. Alors, pour les scorpions. Message supplémentaire pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui. Alors ici, pour vous, il y a plusieurs messages, mais j'ai l'impression ici que ça a un rapport avec le domaine professionnel, si je ne me trompe pas. Ça peut aussi avoir un rapport avec le domaine relationnel. Donc, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton nous parle de reconnaissance. Alors, la reconnaissance, elle vient probablement d'ici, hein, au domaine professionnel. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez être probablement des guides. Vous allez rectifier des choses dans la vie des gens. En tout cas, vous allez les aider à rectifier certaines choses. Vous allez éveiller des gens et on va vous reconnaître pour ça. On va vous féliciter. Les gens vont reconnaître votre travail et vont être fiers de ce que vous avez fait. Vont vous applaudir pour ça. Et on a le 3 de denier, donc c'est un travail d'équipe, bien sûr. Hein? Vous êtes là pour guider, vous êtes là pour donner des conseils, mais le travail sera fait en grande partie
par la personne qui vient vous voir pour vos conseils. D'accord? C'est un travail d'équipe. On peut aussi adapter ça à au domaine relationnel. Effectivement, c'est un travail d'équipe. Nous avions le 6 de Denis aussi. Quand je vous ai dit tout à l'heure hein, que oui, vous avez besoin de vous exprimer, mais aussi de demander à l'autre d'exprimer certaines choses qui n'ont peut-être jamais été exprimées. Alors, on peut le mettre aussi dans le domaine relationnel, ce 3 de Denis. C'est un travail de collaboration, de communication, d'échange. Travail d'équipe pour se dégager d'une situation, se délier en fait d'une situation qui nous empêchait d'avancer. Et même si ça vient bouleverser certaines choses, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, parce que vous allez probablement bouleverser des vies, mais ça peut être aussi dans le domaine relationnel, même s'il y a des bouleversements. La tour, c'est une belle carte, même si parfois elle peut faire peur. C'est une belle carte parce qu'elle permet d'agrandir notre zone de confort ou de sortir de sa zone de confort pour pouvoir reconstruire sur de nouvelles bases et pour pouvoir aussi relever des défis, relever des nouveaux défis. D'ailleurs, ici, dans le domaine professionnel, on vous dit qu'on vient s'éveiller à autre chose. On veut du renouveau dans la vie. Alors, de relever de nouveaux défis. Des fois, on a besoin que les choses brassent un peu dans notre vie pour que les choses, pour nous forcer un peu à bouger. Alors voilà pour vous les scorpions, vous allez aider les gens à bouger un peu, à changer des choses dans leur vie. Alors encore une fois, je reprends ces cartes tout simplement pour faire la coupe pour maintenant les poissons. Je vais brasser un petit peu pour neutraliser. Alors pour les poissons maintenant, la coupe. Ok. Alors encore une fois, c'est ce qu'on voit, hein? Encore une fois, travail d'équipe. Voyez-vous, le 3 de Denis est très présent. Encore une fois pour vous, la même chose les poissons. C'est un échange, c'est un travail d'équipe, c'est de la communication, c'est vous qui donnez des conseils, mais qui demandez l'apport de l'autre aussi. Et ce que ça me dit ici avec le 10 d'épée, c'est que justement, vous allez aider des gens à sortir d'une certaine, peut-être de la maladie. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de médecin. Hein, si vous êtes médecin, vous allez aider les gens à sortir ou à guérir d'une certaine maladie ou de prendre la maladie à temps, justement, avant d'être beaucoup plus malade. Ça peut être au niveau, si vous êtes psychiatre, psychologue, ça peut être au niveau du mental aussi, hein. Vous allez aider des gens à alléger leur poids au niveau émotionnel, au niveau spirituel ou au niveau psychologique, par exemple, hein. Alors, c'est des gens qui sont en difficulté, qui viennent vous voir pour vos conseils et vous allez les éveiller à quelque chose de nouveau. Et ça, vous allez les aider vraiment à sortir de... Les gens, ces personnes-là, je sens qu'ils sont vraiment affaissés. Ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils n'ont plus d'énergie. Et le fait que vous soyez là pour les aider à voir clair ou à voir plus clair dans leur vie, bien, ça va les aider à se relever. Alors voilà. Donc voilà un beau tirage pour vous, les signes d'eau. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle et que ça vous aide aussi pour ce mois de novembre. Alors j'espère que vous allez passer un très beau mois de novembre. N'oubliez pas que si vous êtes là pour les autres, hein, vous devez penser également à vous pour vous ressourcer. Si vous voulez aider les autres, vous devez d'abord vous aider vous-même. Alors ressourcez-vous, prenez soin de vous.
au mois de novembre. Alors, n'hésitez pas, mes chers amis, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à la partager parce que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là. Ceux et celles qui sont nouveaux, nouvelles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite de passer un très, très beau mois de novembre et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies du mois. Alors, en attendant, prenez soin de vous et je vous remercie de votre habituelle écoute. Merci et au revoir.